Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que je fais pas forcément d'habitude puisque je suis pas forcément youtubeuse beauté. De temps en temps, comme vous avez pu le remarquer, je fais des vidéos beauté, mais j'en fais pas tout le temps parce que ça me saoule rapidement. Et au début de ma chaîne, je voulais être youtubeuse beauté. Merci, au revoir, salut. Voilà, maintenant je suis beaucoup moins beauté qu'avant. Je sais pas si vous l'avez remarqué, d'ailleurs je suis floue, j'adore. Et aujourd'hui je vais faire un petit haul favori. Je sais pas trop dans quelle direction me mettre, mais on va faire ça parce que j'ai envie. Donc c'est parti. C'est plus essentiellement un haul ASOS. Voilà, je ne suis pas en partenariat avec eux. J'aimerais beaucoup hein, vous les appeler, vous me dites parce que je rigole hein, quand je dis ça hein. Merci de ne pas le prendre en premier degré. Bref, on va commencer. Alors, en premier, j'ai pris ce petit pull Reebok. Donc en fait, là il est noir, il y a juste la bordure blanche. Et juste sur le côté, il y a le logo Reebok. Voilà, très intéressant, 44€ pour ça. Je voulais dire que le Reebok, je l'ai pris en XS et qu'il me va un peu grand. Enfin, un peu grand. Ça va, mais il serait plus petit, ça aurait été mieux. Donc voilà, faites attention aux tailles quand même. Voilà. Il arrive vraiment au cou comme ça, avec le petit logo toujours. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Il tient chaud. Moi je l'aime bien. Bon après je l'ai taché comme d'habitude, je fais pas attention à mes affaires. Mais après, ce qui est dérangeant aussi, quand tu le mets, c'est les bordures blanches en fait. À l'intérieur, elles sont comme ça. Et du coup, ça te dérange un peu, mais bon... bah, franchement, il est bien. Ensuite, je vais recopier tous les youtubeurs dans cette vidéo. Sunny Jules Chéra. J'ai acheté, j'ai même pas enlevé l'étiquette encore. Ce pull que je vais vous montrer coûte 84€. Pour un pull qui n'est même pas un pull, c'est un sweat. Ah, ta gueule. C'est un pull Adidas X Pharrell Williams. Normalement, j'aime pas trop les trucs avec les signes japonais ou coréens ou chinois parce que je sais pas du tout quel signe c'est. Mais là, j'avais envie d'essayer puis je le trouvais vraiment beau. Par contre, il fait des peluches là, ça va pas du tout. Donc voilà, je l'ai pris en XS, il est un peu grand. Bon, après, je suis pas très grosse, mais voilà. Juste ici, vous avez le logo Adidas et voilà, donc avec Pharrell Williams. Après il est pas ouf, il tient pas du tout chaud. Donc si vous voulez un truc chaud pour l'hiver, laissez tomber. Il tient vraiment pas chaud, genre le truc c'est hyper fin. Un petit truc comme ça, il a l'air moche mais en vrai il est bien. Mais là il y a des sortes de peluches. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc génial. Voilà, donc si ça part pas je serais un peu dégoûtée quoi. Ensuite j'ai pris à 64€ quand même. Voilà. Oh, vous avez vu mon sapin de Noël magnifique. Voilà, j'ai acheté à Ikea, 10€ pour ceux qui veulent savoir. C'est un petit pull Reebok. Voilà, que j'ai taché quand j'étais en stage. Voilà, bon, on voit pas, mais je l'ai taché. Et putain, je l'ai taché là. Voilà, donc c'est juste un sweat là, par contre, simple, avec écrit juste Reebok dessus. Et voilà, il tient chaud, par contre, enfin chaud. Pas aussi, il tient pas aussi chaud que le noir, mais il tient quand même chaud parce qu'il y a une espèce de laine à l'intérieur. Je l'ai pris en XS et ça va. Bon, après, si vous êtes vraiment plus fine que moi, je vous conseille vraiment de le prendre en XS et pas en S parce que ça va pas du tout aller. Ensuite, faut que j'arrête de... Ensuite, j'ai acheté une petite casquette. Donc, en fait, je vous explique. Comme vous le savez peut-être, la casquette que les gens ont en ce moment, les gens, quand je parle du gens, c'est du peuple français, la même casquette mais en noir, vous voyez. Et moi, au début, quand j'avais fait, parce que j'avais fait une commande, la première fois que j'ai fait une commande, ma commande n'a pas marché et j'avais commandé la noire comme ça. J'ai déjà la Nike en noir donc ça sert à rien que je la reprenne en noir. Du coup, je l'ai pris en grise. J'ai hésité aussi avec le logo noir et la casquette blanche. Mais je me suis dit que j'allais l'attacher. Donc j'ai fait non, c'est pas possible. Donc je l'ai pris en gris et franchement elle est grave belle. Je suis choquée. Bon par contre je la trouve un peu grande. Mais aussi j'ai une petite tête avec mon petit cerveau. Voilà ce que ça donne. Bon après ça donne pas forcément excellent. Mais moi je l'aime bien. Donc c'est l'essentiel, c'est mes goûts, c'est mes choix, c'est l'essentiel. Je suis assez contente de l'avoir acheté. Elle coûte seulement 18€, donc pour une casquette c'est un peu cher. Mais franchement elle coûte 18€, donc je vous la conseille. Voilà, j'en ai marre d'être fou, la vie de ma mère. Ensuite j'ai pris, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, j'ai pris une veste. On peut pas appeler ça une veste, hein, je suis désolée. Donc j'ai pris une veste comme ça, tricolore bleu blanc rouge, voilà, du coq sportif, que j'aime beaucoup beaucoup. Bon après 46€, la prenez pas pour l'hiver, ça sert à rien, ça tient pas chaud. La matière est extrêmement fine, genre j'ai jamais vu une matière aussi fine de ma vie je pense. C'est pas possible, ça tient pas chaud du tout. Juste ici il y a le petit logo, le coq sportif.
Et elle m'a coûté 46 €. Donc bon, je vous la conseille pour l'acheter au printemps, mais cet hiver ça sert à rien comme j'ai dit, parce que ça tient pas du tout chaud. Je l'ai pris en XS et elle est un peu trop grande. Bon après je sais que je suis pas très très grosse, mais quand même là, ici ça fait un peu effet bomber. Bomber qui tient pas chaud du tout. Et voilà comment ça fait. J'avais besoin d'un kawé. Donc là je suis à sauce et tout. J'ai pris le petit kawé de chez Fila. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette comme d'habitude. Il m'a coûté combien? 100 €. Mais si vous regardez bien, il y a des petites paillettes. Bon, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes là. Une veste à capuche en fait, que j'ai pris en XS et qui me va. Juste sur le bras, il y a marqué Fila. Voilà le logo de la marque, si vous voulez. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça à l'intérieur. Voilà, et ça tient chaud, vraiment ça tient chaud. Il y a des poches à l'intérieur, j'avais pas vu. Je vais enlever mes éclairages. Et oui, il fait nuit quand on tourne les youtubeurs. On vous ment. Ça fait fluorescent et je l'adore. C'est mon meilleur achat, même si ça coûte quand même 100 balles. Donc, franchement, je l'adore. Ensuite, j'ai pris un pull de chez Puma. Donc, enfin de chez Puma, sur Asos de chez Puma. Voilà, il est comme ça, simple. Juste ici, il y a les bordures du Puma, en fait, juste là aussi. Et juste là aussi, jusqu'aux manches, en fait. Celui-là, par contre, il tient chaud, donc je vous le conseille. Donc, je l'ai pris en XS, et franchement, il me va nickel. Voilà, juste ici, il y a le logo Puma, comme d'hab. Et là, bon, bien sûr, je l'ai taché, je sais pas où. Et là, il y a la poche, voilà. Il m'a coûté quand même 60 €, mais ça aussi, je le conseille. Enfin, pour celles qui veulent des pulls et tout. C'est un aussi de mes coups de cœur. Je vais vous parler donc du pull que j'ai sur moi, parce que j'avais envie de le mettre, donc je l'ai mis, parce que je fais ce que je veux. Donc, c'est un pull de chez Puma, voilà, il y a marqué encore là le logo. Et voilà, c'est un pull jaune qui tient chaud aussi, donc je vous le conseille. Je l'ai acheté... 60 € quand même. Il y a la petite capuche, voilà, bon, avec mes cheveux ça tient pas. Par contre, alors sur le site il y a marqué tweet à capuche ultra oversize. Donc ça veut dire, pour ceux qui savent pas, c'est que le pull est extrêmement grand de base. Donc vous pouvez faire une robe avec si vous voulez. Et donc voilà, pour celles qui aiment bien être confortable et tout. Je l'ai pris en XXS parce que je savais que déjà qu'il était ultra oversize, qu'il fallait que je le prenne en XXS, parce que j'aime pas quand c'est ultra oversize que ça fait robe. Il m'arrive quand même aux cuisses alors que je l'ai pris en XXS, donc voilà, je vous conseille d'y aller mollo sur les tailles. Après, à part si vous voulez en ultra oversize, j'adore le jaune en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, c'est trop ma couleur favorite. Et voilà, I love this pull. Voilà. J'ai acheté ce petit pantalon de chez New Look qui m'a coûté 30 €. C'est un boyfriend, you know. Bon, comme ça on dirait qu'il est énorme, mais en vrai sur moi il fait bien. Sur moi il fait bien, il fait bien quoi. Et au genou il y a des trous, du coup il est en taille haute vu qu'il est boyfriend. Et je l'aime beaucoup, voilà, en noir comme ça. Et moi je l'avais pris en EU34L32, parce que je savais que comme je suis fine il m'en fallait un... J'ai pris la taille minimale parce... Alors en maquillage, le pommade Deep Brow de chez Anastasia Beverly's, que j'ai acheté il y a longtemps quand même. Mais je voulais vous en parler, mais je vous en ai jamais parlé. Donc voilà, il est grave beau. Je l'ai pris en taupe, donc j'ai pris trop foncé pour ma teinte. Il est top. Par contre, il faut pas en mettre trop, sinon ça fait des paquets. Moi par exemple, un jour je me suis retrouvée avec les sourcils verts, donc bon, je vous explique même pas. J'ai pris en couleur top personnellement, et voilà. J'ai pris de chez Kylie Jenner le Candy K. Enfin, je vous mets en garde. 30 $ le lip kit, donc déjà 30 $, je sais pas combien ça fait en euros, ça fait 25 €, 28 €, un truc comme ça. Ensuite j'ai eu 15 $ de frais de livraison, puisque voilà, pour aller jusqu'en France c'est long. Et ensuite j'ai eu 20 € de frais de douane. Je vous laisse faire le calcul, j'étais un peu mal. Je l'aime vraiment beaucoup, mais en vrai les Kylie Jenner ils sont trop bien. Ensuite je voulais vous conseiller de la musique, le nouvel album de Nekfeu, qui est Cyborg, le nouvel album qui vient de sortir, que j'aime énormément. Il y a dans l'univers et avant tu rayonnes et libère ta lumière, ils voudront te raisonner, libère ta lumière et avant tu j'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la mur comme James. J'arrive juste comme James.
J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la mur comme James. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude, à donner vos avis en commentaire sur les vêtements, tout ça, tout ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.